Le gaming est une activité amusante. Les jeux crypto peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Mais il est difficile de trouver le temps nécessaire de s'asseoir devant votre ordinateur comme vous le faisiez auparavant. Mais n'ayez crainte, nous vous avons préparé une collection des meilleurs jeux mobiles avec la possibilité pour vous de gagner potentiellement 50$ par jour. Bienvenue aux investisseurs du métavers sur la chaîne Play to Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play to Earn, abonnez-vous et activez la cloche pour regarder nos vidéos toute la semaine et rester à jour sur le métaverse. Je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo existe uniquement à des fins éducatives. Veuillez prendre vos propres décisions financières. Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur l'univers des crypto-monnaies, notre e-book gratuit en description vous permet de comprendre davantage l'écosystème crypto. Numéro 4. Binemon. Binemon est un jeu NFT basé sur la blockchain qui mérite une attention particulière grâce à son équilibre prudent entre deux considérations majeures, le gameplay et le potentiel de gain. Le projet Binemon met l'accent sur comment bénéficier de réels gains et garantit d'attirer beaucoup d'attention autour de son univers. Avec une énorme étendue géographique, le projet cherche à attirer à la fois les nouveaux investisseurs et également les plus chevronnés vers ce qui pourrait être le protocole de jeu basé sur la cryptographie le plus rentable dans l'écosystème. La décision la plus intelligente que l'équipe de Binemon est sans doute l'une des principales forces motrices du succès du projet. Avec la décision d'héberger Binemon sur le réseau Smart Chain de Binance par rapport à la grande majorité des jeux NFT qui sont généralement hébergés par le cher et encombré réseau Ethereum. Encore une compréhension clé qui a séduit les investisseurs et les joueurs crypto était l'accent mis par le projet Binemon sur les mécanismes de gains. A partir de maintenant, Binemon offre aux utilisateurs la possibilité des gains par 6 méthodes variables via la plateforme. Collecter, farmer, trader, staking, en luttant les uns contre les autres et en jouant contre l'ordinateur. Tout cela crée une pression vitale qui est censée voir le prix global du token augmenter en raison de la rareté accrue car moins de tokens en circulation signifie un token individuel à valeur plus élevée. Et en tant que tel, le token Binemon maintient une déflation moderne bien intégrée avec chaque aspect de la plateforme elle-même. Au fur et à mesure que de plus en plus de monstres et de NFT sont créés, plus en plus de jetons seront nécessaires et brûlés pour pouvoir être utilisés. Un retour qui incite vraiment à la fois les joueurs et les investisseurs. Binemon est un projet réussi qui fonctionne depuis plusieurs mois, mais ce qui en fait une opportunité si attrayante est le fait que le projet a pu maintenir et gérer sa croissance de manière extrêmement positive. Numéro 3, League of Kingdoms. Nous vous avons présenté de nombreux projets sur la chaîne, mais League of Kingdoms est facilement l'un des projets les plus importants et rapides du premier trimestre 2022. League of Kingdoms détient le titre de jeu blockchain MMO à la croissance la plus rapide au monde, avec la vente publique récente valorisant le projet à 400 millions de dollars. Après sa première grosse mise à jour, League of Kingdoms se concentre sur 4 aspects de gameplay. L'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Car le projet est un jeu de stratégie avec un grand nombre de multijoueurs qui est centré sur la construction de royaumes et de gouvernance du monde. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup à dire sur League of Kingdoms en termes de gameplay. C'est un jeu intuitif, sophistiqué et amusant, mais tactique et dynamique à multiples facettes, avec de nombreux modes spécifiques, événements et éléments à offrir. Les joueurs peuvent construire leur royaume et armer leurs troupes pour protéger leurs citoyens et combattre leurs ennemis, et par la suite lever leurs propres troupes et en tant que seigneur cherchant à faire équipe avec d'autres royaumes pour former des alliances. Les alliances se disputeront l'ensemble du continent et le continent suivant, ce qui mènera par la suite à la domination mondiale du jeu. Nous avons déjà vu des titres comme celui-là dans l'univers du jeu traditionnel comme Clash of Clans ou l'emblématique Civilization, mais jamais à une si grande échelle et ni avec le genre d'avantage attrayant en l'intégrant sur la blockchain. League of Kingdoms est entièrement gratuit. Combiné à ses potentiels gains de fou, il y a peu de raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous investir activement dans ce nouveau projet. Si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous souhaiteriez que nous parlions d'un de vos jeux Play to Earn en particulier, faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Numéro 2, Splinterlands. C'est un jeu blockchain de cartes à collectionner extrêmement populaire qui maintient des milliers d'utilisateurs actifs. Depuis sa création dès 2018, la plateforme a connu une croissance continue de joueurs avec un niveau impressionnant de volume de transactions et un système de récompenses assez généreux. De plus en plus de joueurs et d'investisseurs s'impliquent davantage sur Splinterland. Opérant sur la blockchain Hive, bien qu'elle soit loin d'être aussi importante que l'écosystème d'Ethereum, Hive abrite un certain nombre de jeux blockchain en raison de la vitesse des transactions bien plus rapide
et de frais de gaz considérablement inférieurs. Une base parfaite pour un jeu vidéo. Une collection magnifique d'NFT est à collectionner, mais également conçue pour être utilisée dans le jeu. Chaque carte appartient aux joueurs et échangée via le marketplace sur Hive. Le projet a grandement innové sur les techniques de jeu traditionnelles. C'est sans doute l'aspect le plus controversé du jeu, car il ne ressemble à aucun autre jeu de cartes déjà présent sur le marché. Il y a une application mobile, ainsi qu'une accessibilité standard sur ordinateur. Un avantage majeur en comparaison à la majorité des projets gaming sur la blockchain. Ce qui a contribué à l'attrait de Splinterland à un groupe de joueurs démographiquement beaucoup plus important. Numéro 1. Axie Infinity. Axie Infinity a vraiment pris d'assaut l'espace de jeu blockchain, avec plus de 90 000 ETH échangés via le marketplace du jeu, ce qui représente un volume de transactions énorme de plus de 250 millions de dollars. Ainsi, l'Axie le plus cher s'est vendu pour une somme incroyable de 300 ETH, soit plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce projet exceptionnel a vu depuis sa sortie à maintenant plus de 250 000 utilisateurs quotidiens sur la plateforme, augmentant régulièrement de jour en jour. Avec des partenariats stratégiques de grandes sociétés comme Binance et Samsung, et même Ubisoft, on peut voir que le projet commence à être mainstream et s'intègre doucement mais de façon sûre sur le marché pour du long terme. Axie Infinity offre aux joueurs un univers inspiré de Pokémon avec un gameplay qualifié dans lequel les joueurs seront récompensés en tokens du jeu. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent, comme affronter d'autres joueurs dans des batailles, un mode histoire pour l'aventure, et même en élevant et créant une progéniture ultime et unique vous permettant de créer une valeur marchande rare. Axie Infinity a vraiment commencé à rentrer dans l'espace public lorsque l'on a réalisé que les joueurs sérieux pouvaient constamment gagner entre 500 et 1000 dollars de manière fiable par mois. Avec l'ajout de Axie Homeland, un projet immobilier virtuel, et l'extrême engouement qu'il y a depuis son origine, l'équipe d'Axie Infinity cherche en ce moment même à développer son propre métaverse et encore plus. En tant qu'investisseur, il y a beaucoup d'opportunités pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur notre top 5 des jeux crypto qui vous aideront à générer vos premiers 100$, allez checker la vidéo pour encore plus de revenus. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France. Okay.